c'est frustrant. C'est sûr que de partir avec 0 points, je trouve qu'on s'était pas mal filé. C'est un peu décevant, mais ça prouve aussi qu'il y a encore quelques petits trucs à, voilà, à corriger. On répond présent dans, bah dans, dans l'agressivité, dans tout ça. C'est une bonne chose. Maintenant, il y a des petits détails à corriger face à une équipe comme Toulouse. Ouais, bah, on va. Ouais, après, comme ça, à chaud, c'est compliqué un peu pour moi, mais. Sabi vous dire un peu plus, mais. Moi, voilà, après. On entreprend, donc c'est une bonne chose. On entreprend. Ces occasions-là, on ne les aurait pas eues si on n'aurait pas entrepris. Donc, du coup, il faut continuer comme ça et ça va marquer et on va y arriver. Après, après voilà, c'est pas négatif, c'est positif. Après, quelquefois, on les connaît, hein, quand on fait, voilà, on a des occasions pour nous, on fait tomber le ballon, on prend une contre-attaque derrière, donc ça nous fatigue un petit peu. Et voilà, peut-être c'est ce qui nous a manqué un peu sur la fin de deuxième mi-temps, un peu d'énergie pour, bah, pour essayer de gagner et même accrocher un petit point de bonus, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Après, on le savait, contre Toulouse, depuis le début de la saison, souvent les équipes voilà, arrivent à aller dans les 22 du stade toulousain, mais n'arrivent pas à marquer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qui s'est un peu passé, même si voilà, on marque, je crois, quand même deux essais en première mi-temps. Donc c'est plutôt bien. Mais c'est vrai qu'on a, on a eu d'autres occasions aussi de marquer. J'ai le souvenir un peu sur, sur le côté gauche et sur le côté droit aussi, voilà, où on a deux occasions de marquer et on ne le fait pas. Mais voilà, c'est peut-être ça qui ne nous a pas permis de gagner ce soir. Voilà, il faut qu'on reste aussi. On a perdu ce soir, hein, c'est, on ramène 0 points. On les a bougés un petit peu, mais on ramène 0 points. Et du coup, voilà, donc la semaine prochaine, on a un gros morceau qui est le Racing. On va bien se préparer. Comme je vous l'ai dit, on va bien récupérer demain. Et mardi, on reviendra à l'entraînement avec énormément de nos vies. Et on a un énorme match qui nous attend la semaine prochaine au Michelin.